La nuit est tombée. Le vent dans les arbres. Dans votre dos, une sueur froide. Que se cache-t-il dans les ombres projetées par votre torche? Quelles horreurs se tiennent au seuil de votre conscience? Venu faire peur avec un Globi Aurore. Et voilà, vous nous entendez, tout va bien. Ouais, normalement vous nous voyez aussi. Et vous nous apercevez en tout cas. Ouais. Mais c'est le but d'un Globi Aurore. Comment allez-vous, Booty Flex? Mr. Flex. Miss Shiv. Je suis donc avec Captain et Eric. Bonsoir. Et un verre de cul caculaire. C'est un demi. D'ailleurs, mes chiffres, tu apercevras certainement, c'est trop bien que tu sois là. Tu peux te dire quelque chose? Ce petit modèle. Elle aime bien les t-shirts. Elle aime bien les t-shirts, ouais. Donc, on a réussi à trouver une solution pour ce soir. Ouais. Ceux qui connaissent le jeu pourront voter comme ils le souhaitent. Ceux qui ne connaissent pas le jeu pourront voter. Totalement l'arrache. En fait, on va faire des sondages. Bon, on peut commencer faire maintenant. Un test. Bah, de toute façon, une fois qu'il est mis, il est mis, quoi. Par contre, faut que tu votes vraiment, sinon ça prend trop de place sur l'écran. Ouais. Voilà. Donc, le premier vote, on s'en fout. Hein. Je vais voter droite. Voilà. Et vous pourrez voter. Et en fait, je ferai le choix de gauche ou de droite selon celui qui l'emportera. Ouais. Donc, le but, en fait, rigolo, c'est de faire le choix avant que ça se présente. On comptabilisera et quand le choix se présentera, on choisira en fait ce qui domine. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc le premier choix, je ne sais absolument pas ce que c'est. Mais c'est pas... On dirait qu'on va à gauche. Quand même. Là, le premier choix, ça sera. Alors attends, non, on va le compter, on regarde. Faut regarder à gauche, hein. En haut à gauche. Il y a quelqu'un qui subscribe, c'est ça? Oui, tout à fait. Ah, c'est un risque. C'est un risque. Mais peut-être mets le son en fait. Tu peux, si tu mets le son du PC, c'est pas grave. Non. Voilà, comme ça on l'entendra bien. Yes. Parce que ce serait dommage de rater un subscribe. On le voit là, sur l'écran? Oui, l'écran il s'est affiché, non? D'accord, j'ai pas fait attention. J'avoue que j'ai pas fait attention. Je pense que oui. Ça pue les engueulades politiques, ça serait très drôle, mais non, ne vous inquiétez pas. De toute façon, c'est la droite qui l'emporte, donc tout va bien. C'est le truc qui pense directement politique. Je sais pas si... Où es-tu, Max? Tu as déménagé? Non, nous sommes chez Captain, car c'est sur PlayStation 4, ce jeu, et Captain a une PlayStation 4, voilà. Chose que moi, je n'ai pas. Et en plus, il a déjà fait le jeu, ce qui est donc assez intéressant. Ou pas. Finalement, puisque c'est pas moi qui vais jouer, donc ça va pas changer grand-chose. Oui, mais ça, tu verras peut-être des choix que moi, tu n'aurais jamais moi, fait. Ça sera intéressant. Ouais. Je retirerai mes fois. Ah, la gauche la remporte. Ouais. Gauche égale haut, droite égale bas. Non. Quoi? Quoi? Non, ouais. En fait, normalement, il n'y a pas haut ou bas, en fait, c'est gauche ou droite. Ouais. Maxime, tu as regardé ma vidéo? Tu m'avais promis. Je sais pas. Mais de rien, Kajelink. RedBaba75 a subscribe. Du coup, merci. Effectivement, mes chiffres, je ne fais partie de Goptocus. De Goptocus. 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 Ouais, que parce qu'il y a une PS4. C'est parce que j'ai une PS4. C'est vrai qu'au tout début, il y avait une PS4. Je crois pas. Bah non, elle était pas sortie au début. Non, non. Voilà. À la gauche l'emporte. Ouais. En même temps, je sais pas du tout c'est quoi. Alors, je précise, si dans le chat vous voulez influencer les autres en disant je connais le jeu, votez machin, ça sera rigolo, n'hésitez pas. Hein. Ouais. Par contre, pas de spoil s'il vous plaît, parce que c'était pas très intéressant. Après, je ferai certainement comme à chaque fois, c'est-à-dire développer des météories et voir si c'est vrai à la fin. Je trouve ça très intéressant. Donc, on verra. Ah, par contre, il y a des moments en fait où effectivement ça sera des choix multiples. Ça arrive 2-3 fois, c'est tout dans tout le jeu. Bah à ce moment-là, c'est moi qui ferai le choix. Et puis, voilà, soit tu fais le choix, soit on peut dire aux gens. Ouais, pour une fois, ça sera moi qui ferai le choix. Et puis voilà. On choisira à 3. Voilà. Au pire.
Alors, voilà, comme le dit Jax, hein, spoil égale ban, donc que ce soit voilà. Clair. Et je précise, quand je fais mes théories, etc., c'est des théories, donc ça n'est pas du spoil, donc ne croyez pas que je dis « je sais que machin machin », ça ne sera pas joué au jeu. Voilà. C'est comme sur MGS5, j'ai fait des théories, mais c'était de la théorie, je ne sais pas la vraie fin. D'ailleurs, il y a plein de gens qui m'ont fait marrer, qui m'ont dit que dans Spoilers Pokémon, je spoil MGS. Ah bon ? Et du coup, je fais « bah, je ne spoil pas MGS ». Enfin, je dis juste que qu'il y a des clones, et du coup, apparemment, dans MGS5, il y a des clones, et du coup, merde. C'est un spoil. Du coup, le mec m'a spoilé, en fait. D'accord. Du coup, c'est un spoil inverse. Ouais, le spoil boomerang, tu vois. Tu sais pas d'où il vient, mais il arrive. Mais je ne sais pas. Maxime, tu vas encore appeler personne. S'il faut un troisième choix, ne rien faire. C'est vrai que c'est. Ouais, c'est vrai que c'est pas faux. Ouais, mais c'est chaud. Mais bon, quoi. Là, ça va déjà. Pour la plupart des cas, on pourra déjà faire gauche ou droite, quoi. Et c'est quoi, c'est un jeu one shot que tu fais en quelques heures, c'est ouais, durer de vie de 5 heures. On peut le faire là. Non, c'est pour savoir. Mais tu peux, en fait, il a une vraie rejouabilité, quoi. Mm. Ouais, quand t'as terminé le jeu, tu peux refaire chaque chapitre indépendamment pour. En fait, tu verras, t'as un système de ce qu'ils appellent l'effet papillon. En fait, c'est comme un truc en fait qui se sépare à chaque fois ouais. que t'as un t'as, choix. T'as un arbre de voilà. T'as et en des gros, racines, tu peux les exactement. Les et en fait, tu peux repasser du coup pour en prendre d'autres et pour voir en fait ce que ça change. Et des fois, le moindre choix. Change pas forcément tout le cours du jeu, mais t'as une scène qui va être différente. Genre, il va y avoir un dialogue qui aura pas la fois sur le truc d'avant. Et ça t'a vraiment donné envie de le refaire ? Ouais, franchement, ouais. D'accord. Pour avoir vraiment fait 2-3 choix. Mais de toute façon, tu verras, forcément, à un moment, on va faire des mauvais choix, il y a des gens qui vont mourir. Et en fait, tu peux terminer le jeu sans que personne ne meure, faut le savoir. Ah, il y a des fins. Soit dit en passant, pareil, on dira chacun notre choix qu'on aurait fait avant de faire le choix du public. Ça serait intéressant de voir. Ouais. Voilà. Et donc, je porte des lunettes tout simplement parce que l'écran est à peu près 2 mètres de moi et je suis myope. Donc, je veux. Enfin, c'est con de jouer sur un grand écran HD et tout et de pas mettre ses lunettes alors qu'on doit porter des lunettes. C'est vrai. Voilà. C'est normal qu'on puisse pas regarder la rediff de tes lives sur Soma. Alors, la moitié des lives en c'est fait ont été. Les a supprimés. Non, la moitié des lives, enfin, sachant qu'il y en a eu que 2. Donc un live a été pas enregistré du tout. Donc le deuxième, je crois que je l'ai mis sur Hitbox, mais c'est tout. Ça arrive de temps en temps quand même, hein, ça. Hein. Et c'est vrai que c'est Hitbox Play Unit. Alors c'est arrivé pendant une semaine, effectivement, mais maintenant c'est bon, apparemment c'est réglé. Donc tant mieux. Maxime, les lunettes te vont bien, ticaté. Ben, d'accord. C'est ce que pense ma copine, mais moi je ne suis pas d'accord. Elle a raison. Ça va pas. Fais gaffe aux voitures, Maxime. D'accord. Soma et Maxime, c'est une grande histoire d'amour, c'est vrai. Ça va, c'est Soma, c'est pas grave. Tout à fait. On part sur du minuit ou d'une heure du mat. Pour la fin du live, on part sur du une heure du minuit, pardon. J'étais parti sur du une heure du live, pas du tout minuit. Dans ma tête, on commence les lives à 23h. C'est faux pour ce soir. So Maxime. On peut avoir un débat sur savoir si le chat aime les lunettes ou non. Non. Ceci dit, c'est des subscribers, donc d'accord. Là, vous avez déjà le choix entre droite et gauche à vous occuper toute la soirée. Ce dit en passant, c'est quasi égalité. Ce dit en passant, c'est la droite qui l'emporte là. Ouais. 51,5. Remporte de manière. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un montage, mais c'est trop bizarre la manière de faire le montage. Il y a ma photo en dessous, il y a une photo par-dessus, et par-dessus, il y a une photo de moi. Mais pas la même encore. Mais juste écrasé. Der Mansegelster, c'est. Mais pas en source, et c'est tout. La plupart du temps, ça solutionne le truc. Ou met en source, et ça solutionne le truc. Il y a les deux. C'est un peu bizarre. Bon, ça fait 10 minutes. Nous allons démarrer. Allez. Voilà. Metal JF, c'est ça ? Ouais, Metal JF 94, gauche ou droite, eh bien, tu verras pourquoi. Très rapidement. Voilà. Tu comprends. Ah, c'est bon, j'ai mon coussin et tout. Parce que le jeu est basé sur des choix. Until down. Jusqu'à Until down, donc jusqu'au lever du soleil, vraisemblablement. Elles sont en position intimiste. Donc. Alors, premier truc, je pense qu'on va devoir attendre le lever du soleil pour s'en sortir ou pas. Je peux passer cette vidéo ? Quand est-ce qu'on aura la suite de Bloodborne ? Bah, la semaine prochaine, jeudi prochain. Normalement, oui. Normalement, ah non, attends. Mais c'est pas sûr, mais normalement, ouais, oui, j'ai vérifié, normalement, c'est possible. T'essaieras de ne pas trop pester sur la VR, Maxime ? Non, mais je vais essayer de le changer déjà. Après, on verra. Je vais changer toutes les VF de France ! Eh, mais c'est Peter Stormare ! Ouais, mais c'était l'autre que tu as connu.
Ah, dialogue originaux. Ah putain. Voilà. Non, non. Ça, c'est du Peter Stormare. Voilà. Il joue dans Prison Break, sûrement, par exemple. Texte latéral, c'est quoi? Plein de films de Lebowski, tout ça. Ah oui, c'est bien, ça, c'est pour pouvoir lire les textes et tout. D'accord. Bon, c'est bon, normalement, on a les textes originaux, donc ça va bien. On va faire une nouvelle partie, hein, vas-y. Donc, abandonnez votre progression encore. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète. Il y a une putain de gueule. Donc, mettez en VO, c'est mis en VO, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Le personnage est bizarre, on dirait qu'il se vénère tout seul, là. Il est en train de faire caca en fait. Laisse Peter Stormare tranquille. Captain plus barbe plus lunettes égale Maxime égale Eric plus cheveux. Oh là là, putain, Castor, tu m'as cassé le cerveau. Ouais. Alors c'est parti pour une nouvelle histoire. Vous commencez une nouvelle histoire? Oui. C'est sûr. Ouais, t'inquiète. Ça efface ton. Qu'est-ce que c'est que ça? L'effet papillon. Le battement d'aile d'un minuscule papillon aujourd'hui peut créer un ouragan dévastateur des semaines plus tard. Ça, c'est des bullshit, hein. Direct, hein. Les papillons, déjà, ça existe pas. Et ça change pas de couleur. Et les ouvragans, en fait, c'est des petites tornades. La plus petite décision peut changer le futur de façon radicale. Radicale, droite, gauche, tout ça. Ce jeu manque de poney. Ah, attends, on sait pas. Vos actions décideront de la manière dont l'histoire se déroule. C'est une découverte pour Maxime. Oui, je n'y ai jamais joué, hein, encore une fois. Donc, pas de spoil, sinon... Vous êtes virés, les enfants. Et voilà, c'est un beau papillon avec une veine. Votre histoire est une possibilité parmi tant d'autres. Vous ne servez à rien. Choisissez scrupuleusement vos actions. Mettez un chat où c'est marqué gauche ou droite pour choisir. J'espère pour le jeu que c'est pas en temps réel. Alors ça, c'est une maison. Ça, c'est une actrice. Je sais pas si elle est connue. Elle me dirait. Non plus. Le sponsor du live, c'est Jean-Marie et Mélenchon. Votez Jean-Marie ou Mélenchon. Alors. D'accord, clairement. Donc ça, c'est le tueur. Est-ce que les sous-titres sont lisibles pour vous? C'est petit. Vraiment pas beaucoup. Ouais. Tu veux que je monte un peu le son? Je veux bien. En même temps, je suis chaud. Ah, ça, c'est la meuf de Heroes. Ouais. Donc, c'est la première qu'on reconnaît. Je crois que c'est elle, voilà. Elle, la chinoise, là, elle me dit quelque chose. Bon, du coup, je suis obligé de dire, parce que je l'entends vraiment pas. Après, les gens vont avoir un retour sur le micro, ça, quoi. Si je mets trop fort. Ouais, c'est pas très grave. On monte un peu. Le son est faible. On peut monter le son, par contre, hein, pour vous. On va le faire. Voilà. Alors, d'accord, ils font une méchante blague où ils se cachent pour lui faire peur. Elle a des bagues. Je suis sûr qu'on va jouer. Et ils vont nous faire peur. Mike? Non. It's Hannah. Hey, Hannah. Vous entendez en double? Dites-le nous, à ce moment-là, on baissera un petit peu. Ah mais, ça, j'ai envie de dire, on peut pas y faire grand-chose, malheureusement. Et on joue, ça y est. T'es dedans, là? Alors, je peux bouger la caméra... Ah putain, par contre, c'est vraiment bizarre, parce qu'il y a une espèce de latence, en fait, dans les mouvements. Alors, heureusement que c'est pas un jeu de plateforme. Alors, déjà, il y a une note. Ah, t'as pris l'option détection de mouvement? Non. Si? Non, j'ai rien pris, j'ai rien touché. Si, si, normalement, tu dois le faire avec gauche ou droite, en fait. D'accord, bah, ça sera mieux gauche ou droite, parce que c'est... Tu peux Anna, faire, t'es trop sexy avec ce haut, mais je parie que tu l'es encore plus sans. Viens dans ma chambre d'amis à 2h00. Smile et clin d'œil, Mike, XXXXX. Putain, c'est triple X, le mec, on savait pas. Oh my god. What did our naive sister get herself into now? Attends, on va essayer de désactiver cette merde de... Ouais, on va dans option. Commande. Ouais, commande standard. Parce qu'en gros, détection des mouvements, tu bouges avec ta manette en pivotant, machin. Ouais, en bougeant la manette et ça. Chaud, non? Ouais, c'est un peu relou.
Regarde, en fait, regardez la le mouvement, je veux juste vous montrer, c'est, je peux faire un tour complet avant qu'elle tourne. Ah, c'est relou. C'est trop bizarre. Faut s'y habituer, je pense, c'est juste... Oh, tu t'y habitues vite. Franchement, je pense pas. Attends, c'est un mort, c'est quoi? C'est un bourré. D'accord, il y a des gens bourrés. Dès que tu vois des gobelets rouges, c'est la fête. C'est vrai. Le fameux gobelet. N'oublie jamais ce détail. Didacticiel. Attendez, je vais utiliser le droit pour regarder autour de vous. Ah, ça marche trop bien, mec. Non, mais elle tourne la tête, en fait. T'as vu ou pas? Ouais. Pète-lui sur la tête, vas-y. Ta-ta-ta-ta, Jérémy Akrag. Ah, c'était évident. Prends-le et pète-lui sur la tête. Jeez, Josh. Once again, brother, you've outdone us all. Il est mort. Il est décédé. Mon dieu, le mur derrière était en texture PlayStation 2. Maybe we should start with a little, you know, making out. Se peloser. Eh, si. Ah, poil. Oh, poil. Oh, poil. Oh, poil. Oh, poil. Elle a un tatouage de papillon, putain, lol. Eh ouais, j'ai mis mon sylphistique, ma couille. Eh oui, tu fais. T'as pas sauvé la chair leader, t'es foutu. Stupid prick. Stupid prick. Stupid prick. Putain, Anna Montana est colère, quoi. Mais il y avait une autre preuve, je voulais la ramasser, moi. Utilisez le stick droit pour choisir. Donc vous avez choisi... Vous avez choisi... Vous avez choisi droite. La droite. Donc, on rejoint. Donc voilà, de... stop. End. Start. Ah, et il faut que tu votes. Hop, vous pouvez revoter pour le prochain choix, du coup. Est-ce que t'as, par exemple, une barre, des fois, de timing, comme dans The Walking Dead? Non, tu sens que ça te met la pression, en fait. La manette vibre et tout ça, en gros, on te fait comprendre qu'il faut vite faire le choix. Et c'est tout. D'accord. Attends, donc, la meuf, elle s'est barrée dans le Blizzard. Blizzard Elkalor. Eh oui. La prise en main est vraiment chelou, mais ça va. Enfin, pour ce genre de jeu, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Appuyez sur la touche d'action correcte avant la fin du temps. Ah, fuck, ça va être une horreur, les mecs. Je vais perdre le carré. Non, un QTE à la con. Oui, QTE sur une manette que je connais pas, ma couille. Arrête. C'est que des boutons ou il y a des directions? Vous non. Avez choisi... la gauche. Gauche, ok. Ne soyons pas prudents, soyons rapides. On relance. Ça, Clément, il te le fait fermer aussi. Ah ouais, je l'ai déjà demandé. Il y a que des boutons. On va être dans la merde si jamais on a égalité, par contre. Bah, je vais le choisir. Ouais. Si c'est ah, ça. Les bons vieux QTE. Alors, un choix. Ok, on va à gauche. Gauche. C'est cool! On relance! C'est bien ça, pour. Ok, je tombe sur Bambi. Bambi oh, n'est pas content. Quasiment que de la droite là. J'espère qu'on va pas te dire va mourir à droite ou sur ouais. La gauche. Merde, putain. Putain. Merde. Putain, Anna, mais t'es où? T'as sa chaîne nuque. Non, ça. Et oui. Ah, trop bien, c'est clair avec son. Utilisez pas fêter. Trop bien. Allez, mets l'appli porn. Non. Non, c'est pas ça. Ah, y'a des corbeaux, ils vont s'envoler. Ils vont m'attaquer comme dans. Non, non. Tu t'es pris un arbre, t'as perdu 3 points de vie. Ah, c'est bout de bande. Attends, la meuf, elle... j'imagine trop la meuf avancer comme ça. T'as vu, elle regarde devant, non. Mais tu sais, elle tient là, la lumière. Là. Mais je me l'éclaire. C'est fou, ça marche pas ce truc. Elle laisse des petites empreintes dans la neige, c'est classe. En même temps, c'est un jeu qui se passe dans la neige, je suppose que. Et de PS4, donc j'espère bien. Putain, si c'est dans la montagne et tout. Bambi quoi. C'est dommage, ça n'a pas. Marcher sur L1 pour. Ça pas maté. Marcher sur L1, t'évites de marcher sur ma manette, par contre, t'es gentil. Putain, c'est compliqué ce jeu. Putain, j'ai trop c'est nimp les votes en fait. Mais non, c'est rigolo. Mais c'est drôle, ça donne. Ah, il y a un truc là. Depuis quand on joue sérieusement aux jeux vidéo? Oui, les jeux vidéo c'est pour les enfants. Mais... Putain, c'est quoi ça? Ça veut dire appuyer sur triangle. Putain, c'est la statuette Illuminati. Ouais, elle a un triangle. Désolé, je me trompais de ça. Oh, wow. Ah, ça c'est. D'accord, si c'est le futur, on est mort. Ouais, c'est ça en fait. Totem de mort. D'accord, eh bien c'est cool. Bah pourquoi on va par là alors? On va mourir, c'est tout.
T'as refait tous les choix, Captain ? Non, je ne les ai pas tous refaits. J'ai fait le jeu une fois et j'ai refait les choix principaux pour éviter certaines morts, pour voir la différence. Montana ! Putain. Bah, il est Cyrus. Ah. D'accord, donc. Sûrement un dain. C'est un peu bizarre, non ? Sûrement un dain. Tu sais, en fait, c'est dans les. C'est une maison de, des horreurs, c'est créé et tout. En fait, tout ça, c'est fake. Hein. Oh. C'est pas de la neige et tout. Mais ouais, Anna. Y a Anna. Hello. Tout va bien. Attention. Oh my god, you must be freezing. Here. Comme ça, c'est moi qui veux faire. Le prochain, c'est à droite. Hein. D'accord. Ouais. Je te préviens tout de suite, parce que vu comment c'est. Ouais, ça speed. Ouais. Ah, on est vu par quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Soit un caribou. Je pense. Dans le froid comme ça. Un écureuil. Alors, soit un taré, ce qui est très vraisemblable. Soit. Comment ça s'appelle ? Les trucs, des carnets, des. Ou l'Apple Store ? Non. Merde, comment ça s'appelle ? Putain ! Dans le ciel d'Azim ? Non. Les cannibales, là. Les. Les Wendigo. Dans le froid. Quel film déjà qui a ça? Un film qui est assez drôle, et d'ailleurs je pense que le prochain film de. Comment il s'appelle? De. Leonardo DiCaprio pourrait contenir des. Non, c'est pas. Les Wendigo crash pas de feu. On est sauvé. En même temps, heureusement. Elle a des lunettes, elle me fait penser à celle de. Mais il a l'air gentil, hein. Je fais choix droite ou gauche? Droite. Droite? Attends, on tombe avec? Mais ça veut dire qu'on va juste mourir? Putain, vous êtes des enculés en fait. Va te faire fou! Le totem avait raison. Ah non. Attendez. Oh, vu ta fracture, je pense que t'es mort. Et bim. Et bim bim, le totem de mort. Est-ce que... Attends, peut-être qu'il... Non, qu'il me plaît. D'accord, ah, vous pouvez revoter pour le prochain choix. L'analyste. J'aime l'anal. Putain, c'est John Hale. Eh les mecs. Ah non, c'est Peter Stromae. Peter Stromae. Ça serait bien, oui. Docteur Colline. D'accord, donc on doit être le psy. On est chez le psychiatre, en fait. Jean-Pierre Foucault, il dit qu'il fallait prendre le 50-50. Tu t'es fait ton pseudo spécialement pour l'occasion. Quoi. Beau strike, hein. Les deux, hein. La cravate est belle. Ouf, un peu de proximité, mon petit pouvou. Bah oui, c'est un jeu, enculé. Tes dents sont étrangement lisses. Tu veux dire que c'est un clone? Je pense que depuis le début, en fait. J'imagine trop le mec qui a peur et qui jette la manette en l'air, qui se lève peine dans les dents. Et après, il a les dents comme ça. Ses dents, c'est une projection. Sa bouche est super bien animée. Plus qu'un VF, mais il y a déjà la VF. Hein. J'ai pas eu le temps de voir le pseudo. Quelqu'un qui disait si jamais il y a la VF, je l'achète. Le jeu y a une VF. Est en VF, en fait, à la base. C'est comme dans ma comic. Enfin, le spoil. MG12 ou ceci n'est pas long prospectus. Sa bouche est super. Franchement, les animes sont vraiment très très belles. Qu'est-ce qu'il y a, tu fais? Je pense que comme tu regardes. J'ai un gant. Donc je suis un homme, déjà, c'est sûr. Alors qu'est-ce que c'est ça? La forêt des épouvantails. Qu'est-ce que c'est, Makoui? C'en est un, c'est un putain d'épouvantail. Qu'est-ce que j'ai ressenti face à Barazzo? Ah, on entend tout en double, apparemment, et les gens trouvent ça chiant. Bon, bah écoutez, ma foi, on va baisser un petit peu. Bah ouais, mais on n'entendra plus rien, quoi, déjà là. Alors qu'est-ce qu'il faut dire, droite du malaise? Je pourrais pas choisir, c'est un peu con. Relance le truc. C'était 31. Le... À droite? T'as pris ouais, à droite? J'ai pris à droite. Si vous rend mal à l'aise, vous, monsieur. Allez, Jean, faut voter. Allez, j'attends. Premier vote. J'attends deux secondes et. Il est pas à jour? J'ai voté, moi, pourquoi il n'y a pas? Si, ça c'est bon. Si, ça y est, à droite. Attends, à gauche. Moi, je vois milieu. À gauche, à droite. À droite. Allez, attends. À droite. C'est à droite? À droite. Je sais pas trop. On relance. Vas-y. Faut mieux regarder à gauche, je crois, non? Je sais pas. Non, c'est bon.
Là, on est sur à droite à 53%. Non, pas dans la maison. À droite? Ouais. Non, pas dans la maison. C'est un œuf derrière qu'il y a? Non, c'est un vase. Tu peux bouger la tête quand tu es comme ça ou pas? Non. Mais je porte une casquette. On est à 50-50 là. C'est une égalité parfaite. Ah, droite. Droite. Non, pas dans le champ. Pas dans la maison, pas dans le champ. Vous êtes con ou quoi? J'espère qu'il n'y a pas trop de passages comme ça. C'est un peu relou quand même pour les gens, je pense. Non, c'est juste le premier. Ouais. Là, on est à droite. 100%. C'est ça en fait. Les expressions sont très bien faites, mais là ça fait trop genre. Mettez-le à 200% d'expression. A plus, mon petit Peter. Qu'est-ce qu'il fait? Il a trémulé là un peu. Mais reviens, mon con. Ceci dit, on est en ville, donc tout va bien. Le décalage rend le vote inutile, mais c'est justement le but en fait, c'est de voir c'est, de façon avant, aléatoire en fait. C'est de façon plus aléatoire. Il y a tellement de choix faisables dans le jeu que en gros. C'est pas mal, c'est vrai que j'ai eu. Est-ce que ça pourrait recommencer, c'est de sauver l'une des deux filles du coup. Peut-être en pas lâchant la branche comme une pétasse, enfin je sais pas, ça fait trop genre. Tu pourras peut-être m'aider. Mais... Sinon vous jetez une pièce de monnaie à chaque fois. Ouais, mais c'est plus rigolo de faire voter les gens. Là, quoi. Vous votez, et puis techniquement, vous pouvez l'influencer. C'est jusque là, c'était un peu trop speed. Ouais. Mais là, maintenant, ceux qui ont déjà fait le jeu peuvent vous dire, bah, votez à ton machin, ça sera drôle. Ou pas. Hein. Les morts ne sont pas obligatoires, non, justement. C'est tout l'intérêt. Alors, du coup, il y a des attrape-rêves à droite. À gauche, c'est une disqueuse. Si c'est les choix du début ont une influence, tu t'en rends compte à la fin. Ouais, c'est une disqueuse avec Gnocman. Une seringue, un bureau d'observation, un lit, des cafards, une maison abandonnée, une poupée dégueulasse, c'est un projet fantôme. Une mythe sur un truc. Gnocman. Encore du Gnocman. Plus du soja que du Gnocman, non? J'irais plus quand même, ouais, je sais pas. Gnocman, c'est plus genre jaune, non? Non, en fond, non. Donc un truc de projection. Espèce de... Today is the one-year anniversary of the dreadful tragedy that took place on Mount Washington. Annie Klein was in charge of the investigation. Thanks for having me, Mark. C'est très cool, pour ça. On Hannah and Beth Washington, the twins who are still living. One year ago tonight, the Washington girls left the station. J'aime bien la forêt. J'aime bien le coca, si je me permets. Moi, j'aime bien. Mettez-vous vers vos anges et servons. He has an interesting history with the Washington family. He had warned them against pursuing their construction project and claimed the land was sacred to his forefathers. Ah, ancêtres. My officers did search the ground. Un ancien hôpital psychiatrique. Something about that mountain seems to breed tragic events more than you know. Et allez, Molly. Attends, il a pas dit la mort. Disparition. Ouais. Deux fois. Hein. Putain, c'est Rami Malik, Mr. Robot. Enfin, c'est pas Mr. Robot du coup, mais. Trop bien de le voir là-dedans. Mais par contre, c'est l'expression de lui. Mais même quand il joue. Déjà là, ils font plus articulés que inarticulés en vrai. Blackwood. So, let me just let you know, let's take a moment to address the elephant in the room for a second. Et oui, j'ai acheté un éléphant dans la roue. J'aime beaucoup cette expression. And I know it's gonna be tough on all of us going back after what happened. C'est hyper poussiéreux chez toi, mec. I just want you all to know. Il neige chez lui ou c'est quoi? Non, c'est de la poussière. C'est genre, on va mettre des effets de particules parce que c'est classe. Mais genre, on va en mettre partout. C'est trop bizarre comment il fait nuit chez lui, mais jour. On va faire un crossover à Noël, je pense. Non ouais. T'as vu Spacey, c'est Mr. Robot. Putain, j'ai trop envie de regarder un épisode. Bah, comment on dirait, hein.
Attends, j'aime bien, c'est faites la fête comme des fous. Non, il a dit faites la fête comme si on était des putains de pornstars. C'est pas la même chose. Ah, mais j'espère qu'il va me sauver parce que je suis quand même la cheerleader. Masque à gaz, du feu, une mine. Une mine. Ah, c'est un métro de métronome. Un cimetière. Ah, c'est peut-être l'hôpital en fait. Un totem qui fait peur, totem de corbeau, une araignée, c'est une araignée. Une chapelle, enfin c'est marqué chapelle donc ça doit être dans un hôpital. Un manège, ouais. Il y a un carrousel et un pétard. Blackwood pin, les pins de Blackwood. Ouais, tu m'étonnes. Salut Kyu. Manger des ogives nucléaires. Ouais, mais Spicy Flesh, c'est une exclu PS4. Spicy Flesh, c'est Sophie. Oui, je sais, oui. Non, je précise, si tu le savais pas. Si. Si tu l'entends, tu vas l'insulter, là, je le sais comment t'as. 1. Amitié, 10 heures jusqu'à l'aube. Alors, jusqu'à l'aube, hein, c'est le titre du jeu. Eh ben, écoutez, ça a l'air très bien, mais... Ah, elle va se faire défoncer direct. Et oui, pour la sauver, il fallait pas jouer au jeu. En gros, on te présente. C'est fait deux fois la même intro où t'as l'arme du tueur et une vision sur l'une de la personne que tu vas contrôler, c'est ça? Donc en gros, tu la sauves. Attends, appliquer meilleure amie d'Anna, bienveillante, audacieuse. Quoi? Il y avait trop de mots dans ta phrase. Non, dis, tu la sauves en fait pour t'essayes de la sauver, la mener jusqu'à bout du chapitre sans qu'elle crève, c'est ça? Ouais, mais ça va être coupé, hein, tu vas passer sur d'autres personnages entre temps. Et puis on verra pas le tueur à jouer, moi, je pense que ça sera mieux. Non. Là, c'est juste parce que elle revient, ça veut dire que le tueur est toujours là. Il y a un petit lapin qui regarde. Sam. Putain, elle s'appelle Sam en plus. Comme dans Heroes, je crois. Claire Bennett. Ouais, Sam. Celle qui conduit et qui ne boit pas. Attends, c'était quoi L1 pour la lumière, là, la pleine lumière. Sauver la barrière.